suis venu vous donner votre nouvelle mission. Juste, comment vous êtes rentré? D'accord. Voilà. Bon, venez, je vais vous présenter votre mission. Maintenant. Alors. S'il vous plaît, veuillez mettre en place le périmètre sécurisé. On voit rien. Enlevez-le, ouvrez. Parfait. Voici votre ordre de mission. Donc, ceci est un hologramme. Il est beau, hein, c'est moi qui l'ai fait. Oui, oui. Non, mais c'est moi qui l'ai fait. Vous en faites tous les jours. Non, mais c'est moi qui l'ai fait. Bon, j'ai compris, débloqué. Bon, d'accord. Alors, donc, vous voyez ici le plan d'un environnement virtuel. Pour la première fois de votre carrière, vous serez dans un environnement virtuel qui est stocké sur les serveurs de nos ennemis, les soviétiques. Vous partirez de ce point-ci et devrez arriver à ce point-ci. Le parcours est sûrement semé d'embûches, mais on ne sait pas vraiment puisqu'on n'y a jamais eu accès en réalité. Vous allez être aidé pour cela par un jeune geek qui contrôlera à distance un avatar qui sera avec vous sur le terrain. Il aura un nombre illimité de vies, contrairement à vous qui en aurez une seule. À vous de l'utiliser à bon escient. Votre objectif, une tour. Dans cette tour, un ordinateur dans lequel il y a un disque dur. Sur ce disque dur, des informations ultra confidentielles sur certains de nos agents, ainsi que mes photos de vacances auxquelles je tiens énormément. Je vous demande donc de récupérer ce disque dur et l'ordinateur si vous le pouvez, sans pour autant regarder mes photos de vacances, sinon vous serez bien. Voilà, très bien. Donc pour le moment, c'est tout. Après, vous devrez revenir vivant, bien entendu. Voilà, j'espère que tout est clair. Comment je fais pour sortir? Sortir d'environnement virtuel? Oui. Eh ben, vous sortez. Voilà. Bien fait. Donc, parfait. Donc, moi, je vais m'en aller. Agent Y, c'est tout pour votre mission. Très bien. Donc, c'est parfait. Moi, je vais retourner. Ok, bien sûr. Ouais. Au revoir, Agent Y. Agent Y? Oui, bonjour Agent Y, on vous contacte parce qu'on a un problème en fait. Sur l'hologramme, il y avait une ville, mais en fait, l'espace virtuel, c'est une forêt. Quoi? Donc débrouillez-vous. Bon bah, ok. Même si vous êtes en costard, c'est pas grave. Ah, bon bah, tant pis. Bon, vous devriez retrouver l'avatar du jeune geek pas loin. Cherchez. Ok, merci. Au revoir. Vous êtes là, vous? Oui, enfin je crois. Oui. Bon, ta gueule, on y va. Oui. Bon bah, obstacle. Allez, demi. Non, allez, viens. Regarde, je te montre. Regarde, c'est facile. Hop. Allez, à ton tour. Allez. Voilà. Bon, fais gaffe, ça sent le piège. Mais non, t'inquiète, je vois rien là, tu vois. Allez, c'est parti. Ah, il est vraiment bête, lui. Bon bah, écoute. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Ça fait mal, regarde. Une petite ronge. Une petite ronge, ça fait mal. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Bienvenue à la question. Quelle question? La question. Si vous répondez faux, vous mourrez. Si vous répondez juste, vous passiez. La question est, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Bon, vous donnez réponse ou moi me fâcher. Je sais. Un chinois à la préfecture. J'ai raison. Regarde. Mauvaise réponse. Mourir. Ça c'est fait. Attends-moi. Bon, ça va? Oui. Avec toi. On y va. Où croyez-vous aller comme ça? José Mucho Gracias, le meilleur catcheur mexicain, communiste, et seul, et unique. Eh bah putain, on voit qu'on est dans un environnement virtuel, hein. Tu te moques de El Mucho? Tu le regretteras. Bon bah, voilà, hein. Aïe. Je résiste aux balles. José El Mucho. Ah merde. Bon. Je peux tirer? Bah ça marche pas. Mais, tu vas voir. Ok, vas-y. Victoria, moi je sais viser. Bon, allez, lève-toi. Ouais. C'est vraiment pas loué. Attends. Donne-moi ça. Ouais. Ah ouais, bon bah. Ça fait mal. Ouais. Voilà. Allez, c'est parti. Hé, Sheila. Arrêtez de parler. Je vais vous écraser. C'est normal ça? Mais oui! C'est une baffe de El Mucho! C'est la puissance de El Mucho! La puissance de la pensée! El Mucho! Eh ouais! C'est le match de El Mucho! T'es où, bâtard? T'es où? Je vais t'écraser! C'est El Mucho, voilà! Ah! Bon, du coup, fais gaffe, hein, il y a peut-être des pièges ou du laser, je sais pas. Mais non, t'inquiète. Regarde. Pourquoi il m'écoute jamais? Du coup, voilà. Nickel. Ah, te voilà. T'as une télécommande en fait. Mais t'avais un téléphone, un flingue, t'avais plein de trucs. Bon attends, je te montre. Tu vois, regarde. Ouais. Ouais, j'avais ça, par exemple. Bah ça peut toujours servir. Ouais. Bon, ça avec les poteaux. Ouais. Un livre de Michel Polnareff. Je sais pas à quoi ça sert, mais. Ouais. Et puis ouais. Ça pour préciser. D'accord. T'as pas entendu quelque chose en bas? Non. Je suis El Mucho! Oh,